Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 vous voulez dire Pour pas tout comprendre, Mawa. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, Pino Moko. Bakoné, Radino, Coriana, Abeti. Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info, merci de suivre cette émission. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Pierre Lumbi a tiré sa révérence au centre médical de Kinshasa, le vrai modérateur. Je salue la mémoire de cet homme, Pierre Lumbi. C'est vrai que je ne l'ai jamais connu, on ne s'est jamais vu, je veux dire comme ça. Mais selon les témoignages que j'ai des amis, il semble que c'était quelqu'un de très conciliant. Il aimait beaucoup la jeunesse, il aimait beaucoup les jeunes gens. Monsieur Pierre Lumbi, je ne sais pas s'il m'a connu, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Et ici, je présente mes condoléances à la famille biologique Naïe d'abord, et puis famille politique Naïe. Il avait un très grand parti aussi, famille politique Naïe, mais en même temps, ensemble, Moïse Katumbi Chapoué, Oazali, l'un des collaborateurs Naïe, le plus proche d'ailleurs. Donc, à lui et à tous ceux qui ont connu cet homme, je vous présente mes sincères condoléances. En même temps, il faut parler de l'actualité de Papa Wemba vers le rachat par le gouvernement pour 750 000 dollars. C'est ça? Voilà. Alors, je vais faire un effort de rencontrer la veuve de Papa Wemba. Parce que j'aurais appris qu'elle n'était pas d'accord avec la vente de la parcelle de Mango. Alors, dans Koutanaï, peut-être que les choses ont évolué. Je vais la rencontrer et essayer de voir dans quelle mesure on peut donner la bonne information. C'est très, très important. Alors, le FCC hausse les tons. C'est violation du siège du Parlement. C'est l'avenir qu'il titre. Et vous avez aussi les députés qui exigent 2000 dollars sur leur émolument alors que le gouvernement se trouve sous pression du FMI. Une demande scandaleuse, une demande de la honte. Et c'est une demande qui discrédite encore une fois cette chambre basse, mais qui se comporte vraiment de façon très basse. C'est ce qui n'est pas très bien en fait. Alors, il parle de la hausse, disons, de la violation du siège du Parlement. Et j'ai entendu beaucoup de thèses autour de l'inviolabilité et tout. Heureusement qu'on avait déjà informé aux Congolais, Bolandaba français, on a thèse à l'Okuta. Où il fallait maquiller l'Assemblée nationale, il fallait saler Makaka Bongo. Ça devait passer, il fallait saler Makaka Modèle Wana. Pour montrer à ces gens-là que vous n'êtes pas au-dessus de la loi. L'Assemblée nationale s'est comportée en rebelle, il fallait Kokoum Sebongo. Et ils ont commis place, parce qu'il y a Lukwa Kiyango, ils sont arrivés là-bas. Ils pensaient humilier quelqu'un, mais finalement c'est le bureau qui a été humilié. Et Kaboun finira par être réhabilité. Sauf la réhabilité, bon, on va s'incliner, mais je suis convaincu que telle que la manière dont la justice va se passer, à cause de la réhabilité, et c'est lui qui verra s'il va démissionner ou pas. Batoumoussou, on va la condamner. Pour un faux. Il y en a qui seront condamnés pour faux.
ça sera ridicule en fait. Et beaucoup seront déchus de leur qualité, de leurs droits civils et politiques, malheureusement. Tenez ce que je vous dis pour de promesses qui vont se réaliser. Mesdames et messieurs, lorsque le président était aux États-Unis, à l'Obaki a redéboulonné le système. On a vu que Oumela qui m'ont tout le monde commençait à dire, mais président, Oumela. Mais une phrase est sortie de la bouche du président. Je ne vais bousculer personne. Je sais où appuyer pour que ça fasse mal. Ça, c'est le langage du président Fatshi. Je sais où appuyer pour que ça fasse mal. Il a appuyé sur la justice. Et il s'est confié finalement la justice. Et les grandes réformes qui vont être faites, je suis content parce que finalement, le président nous a compris, il nous a écoutés. Le président a eu Kibiso et il a répondu. Mais je ne vous dirai pas de la manière dont il a répondu. Réforme, il y a justice et Sili et Kataniwana. On l'avait décrié Awa et on nous a entendu, ça s'arrête là. La réforme sera proposée par lui-même, le président de la République, par sa vision à lui. S'il y aura réforme, ça va se faire, ça va se faire dans le modèle où il y a l'ingaki. Effectivement, Tolbaki Bongo. Les gens ne le voient pas venir. Mais je peux vous garantir une seule chose. Les déboulonnages, comme on a causé là, tel à ce qu'on place au déboulonnage est commis. Et commis à niveau, il y a commis à niveau, il y a audit, il y a entreprise publique. Bon, proposer Batoubaya, ok. Batoubaye. En politique, c'est comme ça, mes frères. Au robot, il y a combo, mais il y a des combos au robot, il y a sauté parce que finalement, on t'a proposé que ce don-là. Moi, quand les gens t'ont proposé, par exemple, 20 noms ou 30 noms, mais il y a un dit que le moins mauvais, c'est yé. Le moins mauvais, c'est yé. Et faire le choix qui a été fait, il y a un choix moins mauvais. C'est-à-dire, la proposition, il y a un combo, il y a qui wana. Le moins mauvais, c'est qui Batouana. Il fallait, non, bateau, t'es bon, prenons ta bateau. Parce qu'on n'avait plus un autre choix. Mais il faut comprendre aussi un élément important. Il faut comprendre, Boé. En politique, mes frères, on ne gagne pas à tous les coups. On ne gagne pas sur tous les coups. Non. En politique, il y a des moments où on perd, il y a des moments où on gagne. Il y a des moments où on perd, il y a des moments où on gagne. La capacité de nous relever en politique, c'est ce qui détermine notre victoire ou notre échec. Ce n'est pas le fait de tomber. Non. Parce que tout le monde peut tomber en politique. On a vu plusieurs fois Obama tomber aussi. On a vu plusieurs fois Trump tomber aussi. On a vu plusieurs fois des grands présidents américains tomber. Même Delano Roosevelt, dans ses mémoires, il dit qu'il y a eu des batailles qu'il a perdues. Mais en politique, ce n'est pas la perte d'une bataille qui définit la fin. Non, mais c'est la perte d'une guerre. Parce qu'en politique, on ne se livre pas des batailles, on se livre des guerres. Et dans la guerre, on peut perdre des batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Le problème, c'est dans la manière de. Est-ce que tu as une vision d'aigle comme Fally Poupa, que je pense d'ailleurs, que je salue en passant, pour avoir aimé notre vidéo et l'avoir retweeté. J'ai dit merci à ce grand artiste de notre pays. On l'appelle aigle, Fally Poupa, parce qu'il a la tendance de voir un peu au-dessus. Et c'est comme ça qu'on politique qu'on fait. On essaie de voir au-dessus. On peut perdre. Nabiloka Mike, naba député, naba mandataire, Fatshi à perdre. Oui, ça c'est une bataille. Et c'est même une portion de la bataille. Ce n'est même pas la totalité de la bataille parce qu'il y a beaucoup d'entreprises publiques. Environ plus de 30 et quelques. Alors, dans quelques humains, vous avez la tendance à dire que oh, mais on dit Fatshi à perdre, Fatshi à comme Moutoussou. Mais il y a une vingtaine qui arrive. Attendons voir ma vingtaine de Koya. Parce que même attendre la vingtaine, ils sont à perdre. À Batouka, à FCC Bazongi. Écoutez-moi bien. Ce qui va te FCC Bazongi, ça ne sera pas. Il y aura des terres déterminées, échec à Fatshi, te réussite à Fatshi. Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité de répondre à ces choses-là en faisant quoi? En auditant les choses. Il y a un homme qui dit que Fatshi, il faut une équipe à laboratoire. Bon, on continue à te FCC partout. Mais si vous avez le contrôle de la justice, si vous avez la capacité de faire les audits, ben c'est fini. D'ailleurs, comment on appelle? J'ai réfléchi encore une fois. Je me suis dit, ok, on avait tous opiné dans la mesure, oh non, président, il faut renforcer plutôt l'appareil judiciaire qu'on crée association, on crée structure morale, il y a lutte contre la corruption. Mes frères, après, je réfléchis. Après, j'ai pris des distances, ça m'a nous comprendre comment on mouquait. Je me suis rendu compte que, Adam, ce qui va renforcer l'appareil judiciaire, c'est une très bonne chose. Ça dit, bonjour, côté on a. Mais ceux qui vont s'allier agence, s'il y a corruption, on va les rattacher à la présidence directement, que ces gens-là peuvent arrêter les gens et amener les gens auprès du parquet, ça peut encore aller. Donc toutes les deux voies sont bonnes, elles ne sont pas tout à fait mauvaises. Mais le problème, c'est que qui vous mettez dans le niveau, dans l'inspection,
y a finance. To banani botocha na ba inspection générale et au contrôler ba biloko wana. Banani botche kuna. Ba inspecteur judiciaire baza banani. C'est ça le plus grand problème. Le gouvernement passé, l'administration passée avait dépouillé l'inspection générale des finances, pardon, de judiciaire n'a pas compétence n'a pratiquement nyonso. On voulait même les fondre contre la police judiciaire. Ah, on a dit non. Et on dit au président Fatih, ne commets pas cette erreur, monsieur le président. Ils vont te donner tout tas de choses. Non, monsieur le président, c'est budgétivore. C'est faux, monsieur le président. Le dernier inspecteur général, pardon, le dernier inspecteur judiciaire à 30 ans. Ce qu'on imaginait rigueur et modèle, voilà, c'est des flics formés. Les inspecteurs judiciaires, baba, flics formés. Voilà pourquoi, quand il y a agence, il y a corruption au président Sali, il faut trouver un inspecteur judiciaire, il faut avoir une compétence. Un inspecteur judiciaire à l'époque, il n'y a pas d'affaire. Ndeko na zo metela binu masolo we lika na Kongo. Ba kenda kukanga, bato ba yebi ba vivaka na epoka kala, ba yebi kanafer. Bo tu na ba mesye Mungulu, bato na ba yebi kanafer avela ki nani namboka we. Pendant qu'on le traquait ici à Kinshasa, kanafer se kache wapi na Guado, et pa nani pa président Mobutu. E za loko la lelo, eh. Bozoluka président, bozoluka malfaiteur moko, bozoluka moutu moko ya mbamba, be ya mboka. Et bon, tout le monde a battu mieux, puis, na, n'selé. Et pas président. Mais, bande de quoi, non, tant que comment on a voté, parce que, bah, t'as mis tes mambes, bah, t'as belé. Un monsieur était ici. Bah, ça qui disait. Bah, bien, on a voté, toko, kanga, batouana. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés l'arrêter chez le président. Mes frères, ils ont du courage. Hein. Je vous parle d'une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Mais regardez la capacité à bateau. Aujourd'hui, ces vieux-là ont plus de 60 ans. Ont plus de 60 ans. Mais imaginez pour eux, soit là. Le Mola 25 ans, le Lolo, le Mola 25 ans, le Mola, une histoire de 25, 28, le Mola Engo. C'est des gens qui avaient la quarantaine. Donc jeunes, ils avaient besoin d'argent. Mais regardez la capacité à modèle. On a fallu bateau, on a dit formé. Non seulement formé, mais ils avaient de l'éthique et de la déontologie. C'est les inspecteurs qui ont arrêté Kanafer, bah, un avion, bah, y a Kinshasa. Est-ce que pourquoi vous imaginez le modèle là? Vous allez prendre quelqu'un dans la maison du président de la République. Mais il faut du courage. Bato Fatih, il faut tamouana bango, bango wana. Mais comme les gens sont méchants, bah, ça Fatih a dit, t'es bato na te. Bah, ok, on a fait l'hôtel. Pourtant, bato wana n'est pas socle à Fatih l'élo. Bon, qui est-ce que tu as un mandataire? Mais ceux qui sont inspecteurs judiciaires, Bazali, pour remettre les droits, ces gens-là ont plus de 30 ans de formation. Parce que vous pouvez imaginer. Monsieur Bazali, il y a eu un inspectorat. À l'époque, il y a un ancien régime. Il y a 10 ans comme ça, il y a chômage. 10 ans, il y a chômage. Tellement qu'il y a Kangi Mingi, il y a un souté. Vendre dans le garage. Mais c'est les gens comme ça qu'on peut reprendre. En fait, vous savez, pour faire trembler l'autre camp, le Komoko, arrogance, il y a Batouana, ou vous avez Batouana, ça m'a loana, arrogance, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont déstructuré, désarticulé l'État congolais. Bazui, entreprise, il y a l'État, et comme il y a Bango. Basali, il y a depuis 2000. Nous sommes vers 2001, 2002, 2003. Bah, yokani va créer parti politique na bango bino moboye biwana. Et tant que vous créez parti politique na bango, va reconfigurer ba gens ba entreprise publique comme ba vache à lait na bango. Na ba secteur nyoso ba pesi bango biloko na pesi ba dédouanement, ba pesi pardon ba exonération. Est-ce que vous savez que les exonérations ba pesa ba tumzus? Il n'est pas ministre parce qu'il a été ministre, ba pesa exonération. Ateka ka exonération na yewana, ya teka ka yango. Ils vendent l'exonération dans le commerçant. Arrêtez qu'il y a un gros chinois, arrêtez qu'il y a un gros libanais, arrêtez qu'il y a un gros expatrié. Avec quel but? Avec le but qu'il y ait par mois, Azoka par exemple, 400, par exemple 20 000, 30 000 dollars, 50 000 dollars. Le monsieur ne fait rien. Mais Azoka est un gros bon. Et bien, il y a un réseau raison dans le monde, mafia, raison au consolidé blanchiment des capitaux. Ça dit, quand il y a un bon, il y a le coup de taille à ma bête. Bon, il y a terrorisme, il y a Moïbi, bah côté on a Congo. Tant bah côté on a Congo, awa. Bah réintégrer on a circuit.
normal et zongé comme une bongo propre. C'est ce qu'on appelle blanchiment d'argent. Bakotonga ba immeuble aminé no robona batonga ba immeuble mo na na villa batonga ba hôtel mo ko ba trouvana na hôtel wana te ba trouvana na hôtel wana te ba trouvana ki para hôtel wana te mais ba hôtel wana ba contrat location o komona ba 4e niveau 7e niveau entreprise telle une entreprise qui n'existe pas de locataires qui n'existent pas mais parce qu'ils doivent justifier mbongo wana mais qui va faire ce boulot là ce n'est pas les magistrats va être lourd il ne saura pas faire ça. C'est les inspecteurs judiciaires qui formés dans ma Kambouana. Monsieur le Président, il est temps. Pour faire tomber ces gens-là, c'est de bloquer le système. Et il faut des chiens. Des chiens de chasse, des chiens de garde. Et dans un pays, les inspecteurs judiciaires sont des chiens de garde. Vous voulez arrêter la bêtise financière, mais c'est avec eux que vous faites. Jour où Fatih a décidé que bon, cher inspecteur, je vous invite. Venez, Totangeli Bakombo inspecteur, Monsieur le Président, en 82, Tala Moutoutela Salakaboui. En 81, Tala Moutoutela Salakaboui. Au moins, il y a affaire Indakawana, Moutoutel Mtarezou Dakango. Ces gens-là sont encore vivants. Bakoufite. Moi, j'ai rencontré ces gens-là, mais quel bonheur. Quel bonheur. Au goût de Moutoubi, mais papa, yo Moutoubi, c'est ça que ma Kambo est un gars, moi, un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un Mais lorsque le régime Yafdel et Koti, ils ont été bloqués systématiquement. Mais ils ont bloqué la connaissance. Ils connaissent beaucoup. Ils ont le pouvoir. Trois mois plus tard, le budget congolais est pompé. Naoki dit que Yabanani est un mandataire public. Naoki s'est indigné, Balobi, oh non, président de la République, c'est l'erreur grave, a nommé un chef de bureau, a nommé chef de bureau, a commissionné Mbalamoro directeur, pardon, a commissionné Mbalamoro Likolo Kuna, alors que ma directeur Bazalaki a nommé Mbalamoro pourquoi. Oh mes frères, tout ça en courte mémoire, hein. Tout, mais FCC beaucoup le bango. Tu es beau vendre quand même. Vous avez l'amnésie, c'est ça. Mais les binous se bimika lelo. Bozobosan, n'attendez la binou batou. Mais je ne vais pas aller loin. N'attendez la binou batou pour ne pas avoir de problèmes avec les gens. N'attendez la binou batou. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive au pays, il y a un monsieur. Avalaki nani, Avalaki procureur général na place nini, na Kisangani. Comment il a fait pour na bazongte na Moussala? Expliquez-moi un peu le problème. Je vous ai dit que je ne citerai pas les noms des gens. Comment ils ont fait pour la Komalikolo? Mama tseti na niveau Komakiwana. Ils ont suivi quelle procédure? Botika Lokuta. Des exemples comme ça sont légion. Toi, na époque à Joseph Kabila Kabangi Moko. Nous avons des magistrats dans ce pays qui n'ont jamais dirigé des parquets. Bah, qui ont dirigé ma parquet, qui ont dirigé ma inspectorat judiciaire. Après qu'on a nous dirigé parquet proprement dit. Non. Mais Mbalamoko, au sommet, Mbalamoko. C'est-à-dire gravir selon Nyosoana, Baningana et le Baningana promotion. Baba Agé, Msouba Bagère. Mais il y a Mbalamoko déjà depuis très longtemps. A fait Mataki déjà. À respecter qui procédure, Nini. Alors ne venez pas dire aux gens aujourd'hui de respecter ce que vous n'avez pas respecté. C'est vrai, on ne corrige pas une erreur par une autre. Mais le principe, dans le cadre de l'administration publique, le principe, selon la loi de Bakandeja, pardon, la loi de Vundwawe, le savant Vundwawe dit ceci. Je crois à la loi de 80 ou quelque chose comme ça. Il faut privilégier les fils maison. Le savant Vundwawe explique convenablement comment il faut procéder dans le cadre de l'entreprise publique. Mais vous avez foulé bah, droit à M. Vundwa, oui. La pierre dans ma colonne, bon, qui pas qui en autant. Il vous a dit qu'il y a un fils maison. Ici, Félix Tshisekedi vous trouve un fils maison. Fils maison, attends, il y a bureau, ceux qui bureau n'y en a. Mais il est quelqu'un de la maison. Il connaît la boîte. C'est quelqu'un de la maison. Donc ça ne devait pas gêner les gens. Je ne le connais pas. Mais tout ce que je sais, le principe a été respecté. Peut-être la procédure, non, à gravir, ben, chez l'onté, mais le principe de la maison a été respecté. Mais nous, nous avons un technicien, un policier, qui ne sait pas.
Vous nous avez amené des gens dans l'entreprise publique. Qui ne sait pas qu'il y a un monsieur dans l'administration, s'il vous plaît. L'année, c'était en 2010. Le monsieur va en retraite. Balongo lié. Va suspendre, je crois. Qu'est-ce qui se passe après? Balongo lié. Dans Moussa, là. Il va en retraite, c'est bon. Mangoumino, s'il. Ordonnance, hein. Par ordonnance présidentielle. À Longwe. Quelques jours après. Parce qu'on a eu besoin de quelqu'un. Bah, rappeler. Aucune ordonnance les réhabilitant. Aucune ordonnance qui les réhabilite. Mais c'est verbal. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur conduit à travailler dans l'administration. N'entend pas comboté, mais nous boyé bango. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter ces histoires, ça ne sert absolument à rien. Nous avons eu des procureurs généraux de la République retraités en 2009, remplacés par quelqu'un d'autre qui n'avait pas dirigé un parquet. Mais plus tard après, pouf, il se retrouve dans l'icolo. Bah, les cas sont nombreux. Bah, conseiller, nous avons dit dans la cour d'appel, conseiller dans la cour d'appel. Non, je dis conseiller dans la cour d'appel. J'ai dit bien conseiller dans la cour d'appel. Pas pour président dans la cour d'appel. Non. Pas premier président dans la cour d'appel. Non. Mais de là à la cour suprême. De là à la cour suprême. Qu'est-ce que vous avez suivi comme procédure? Donc ne venez pas raconter aux gens aujourd'hui ce que vous n'avez pas respecté, qui va bien respecter à vous. Ne venez pas le dire. Ne venez pas nous le dire. Mais ce que nous demandons au président Fatshi aujourd'hui, c'est quoi? Nous demandons au président Fatshi deux choses. La première chose, c'est la vigilance. Monsieur le Président, peu importe les gens qu'on va nommer, entreprise publique, peu importe bah, qu'on nomme, mais ceux qui ont la capacité à faire audit ya malonga, ceux qui ont la capacité à remettre inspecteur judiciaire dans Moussala Nabango, rétablir la justice dans ses valeurs, je ne vois pas comment on a ça bêtise Nabango. Je ne vois pas. Ceux qui te cotinent à l'ICAMO, par exemple, il y a DGI, DGRAD, DGEM, douane et tout ça. C'est question d'ouvrir l'œil, mais les bons. Ces inspecteurs-là, Bazawana, Batoba, Kangami, Bina Congo, Bazali. L'ICAMO, il y a Banque Santé, il y a Banque Centrale. C'est la première fois de l'histoire, depuis Ngaï, na Botami, na Tangi droit, première fois, na Nganamo, na directeur, il y a Banque, à se présenter na justice. Et Batiki, première fois. Au regard de tout ce qui a été dit là, si le ministère public était aussi rigoureux que ça, une action allait être ouverte immédiatement. Non, on ne peut pas jouer. Ça a prouvé à suffisance que la Banque Centrale du Congo est mal gérée. On comprend qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est le moment maintenant de recadrer certaines choses, de le recadrer. On ne peut pas continuer dans une jungle, modèle Wana. Le FMI, la Banque mondiale, estime que nous sommes un pays qui favorise le terrorisme. Parce que Mbongo, on est où ta place Nini. L'argent volé ailleurs, l'argent, Mbongo, Yamabe, et donc quand on a circuit bancaire en Abisso, sans que personne ne tousse. Pourquoi? Parce qu'on a fait, on a attaché les chiens. Quand on a la chaîne, il y a pauvreté, quand on a la chaîne, il y a tribal, la chaîne politique, ces chiens ne peuvent pas attaquer. Ils vont peut-être aboyer, mais ils n'attaqueront pas. Nous demandons au président de briser les chaînes et de laisser les chiens agir. Briser les chaînes et laisser les chiens agir. Ce Congo n'a pas encore perdu son espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Nous demandons au président la deuxième chose. Monsieur le président, il est temps de créer une brigade des inspecteurs. Une brigade des inspecteurs. Et je les crois avoir retenu ça quelque part. Brigade des inspecteurs. Pourquoi? Parce que l'inspecteur, on a Moussa Lamengo Zalanini. Et quand on a Moussa Lamengo Zalanini, on a identifié le chef de clan. Vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait Erwin Kanafer. C'était un chef de clan, ce monsieur-là. Ce n'était pas un petit monsieur. Au moins, il y a des Libanais, des Chinois, des Chinois, des Pakistanais. Bref, des expatriés. Les bons sont là. Mais il y a beaucoup qui sont constitués en clan. Nous demandons au président de la République de créer une brigade des enquêteurs. Une cellule attachée à. Naninya supérieur, naninya y a corruption, wana, baza wana, mais ba pesi inspection générale, y a judiciaire, puissance wana nyonso. Ba pesi bon, parce que bon, ba da formé pour nous, c'est des flics.
Ils sont là, là où la police ne peut pas, ils peuvent aller plus loin que ça. Ces gens-là, d'abord, sont en tenue civile. Oui, bah, t'es qu'ils vont enquêter sur eux. C'est des gens que l'État congolais devrait finalement mettre en Simbabango. Et le président devrait le faire. Ce qui est le président du Batouana, Moussa Labango Valanine, qu'on identifie le cartel, qu'on identifie le chef de clan. Erwin Kanafer avec qui chef de clan. Les lois, ils ont continué. Comme tout pire. Na Congo, comme bassin na Bango, comme André, territoire na Bango. Tous les clans, bakoutan na Ao. Tous les clans MAB, bakoutan na Congo Ao. Mais les inspecteurs le savent, mais ils n'ont pas le pouvoir. Parce que Bakangi bon na chaîne. Le président a quatre ba chaîne. Batouana Bango Salanine. Ils vont aller identifier Batouana. Basala Ranine. Ils constituent un réseau. Ces réseaux-là prennent en charge l'autorité à Bokanabiso. Christian Bosembe va nommer ministre de la Justice. Batouana. Ils vont se constituer en équipe. Bah, comme on a un boutou. Ils viennent généralement la nuit. Parce qu'ils ont, ils sont informés. Bah, infiltrer le système Mobimba Mboka. Bah, il y a même que le président qu'on nomme Moutoutel. Ils savent. Bah, il y a que le président qu'on nomme Moutoutel. Parce qu'ils ont des informations. Ils peuvent précéder avant qu'ils nomment. Bah, il y a l'outil de relation. Bah, ça, il y a une relation. Bah, pour que tant que nomination qu'il y a, bah, il y a que le président qu'on aide au Kotakuna. Ils veulent créer leur monde à eux dans le Congo. Mais il faut démanteler ces réseaux-là. Deux choses à faire. Ma chef, il y a ma clan, et aussi réseau, et donc, c'est la bataille, pour qu'il n'y ait pas comme un orgueil. Imaginez aujourd'hui, le président de la République se décide à nommer ma brigade, la bataille, il y a un identifié ma cartel. Beaucoup de monde, il y a un Libanais, il y a un Chinois, il y a un expatrié, il y a un Congo. Beaucoup vont rentrer chez eux, parce que le moment, le milieu, hospitalier, était pour la ils vont partir. Mais ils vont laisser l'argent au Congo. Pourquoi? Parce que les inspecteurs auront finalement auront eu le droit et le pouvoir possible pour qu'il va arrêter cette barbarie. On n'a pas demandé plus que ça. Je ne peux pas ici donner les détails, mais Batona Baza Bongo. Tous les ministres en sont commis par pouvoir, par ADG, par mandataire. On n'est pas commis par mandataire, on a l'équilibre, on a Boutou. Il est bon, il est seul. Qu'on a la décision, qu'on a la beauté, qu'on a la beauté. Les inspecteurs ont les oreilles pour ça. Ils ont l'odorat fine pour le Kango. Ils ont l'odorat, pardon, ils ont la finesse et l'odorat, voilà ce que j'allais dire. Ils ont la finesse de l'odorat. Ils vont attraper tout de suite. Ils vont les attraper et le président sera finalement protégé. Mes frères, est-ce que vous en avez idée? Est-ce que vous en avez idée à Mbongo Oyezo qui m'a surcouillé bancaire en abysse normal? Est-ce que vous en avez idée, non? Demain, j'amènerai des chiffres parce qu'on me dit que mon temps est aussi là. Demain, je vous amènerai des chiffres. Non, Sabino, ce que nous perdons dans la DGRAD, ce que nous perdons dans la DGM, ce sont des choses. Mais tout le monde, il y a un inspecteur. L'inspecteur, il fallait que je l'aide. Deuxième chose, Zali, au moins, dans le Congo, il y a un politicien qui a été mis depuis 20 ans. Ce politicien depuis 20 ans. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la structure de l'État. Entreprise publique, comment qui va vivrier dans Bango, va JBCR dans Bango, Balien dans Bango. Nous avons des gens qui ont construit un hôtel dans Bango. Béatrice Hôtel, et papa Kadima, hôtel, il y a Congolais. Et ça est belé, il y a Congolais. Nous avons dit, ok, maintenant, au Koutipe, place est Tondi, va tout bazate. Pardon, place est Tondi, va tout, moi, il y a bazate. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Tout le monde a ça, Moussa, normalement. Pourquoi c'est un Congolais? Bon, on va les cribler des dettes, on va les cribler des taxes, on va les cribler d'impôts, ainsi de suite. Mais M. Kadima fait son boulot, fait son travail. C'est un Congolais, il le fait. Et il le fait bien. Mais on va donner la possibilité à des étrangers qui viendront, qu'on crée un hôtel dans le Congo, pour leur permettre, ceux qui vont demander qu'on va faire un comme ça, ils se contrôlent. Ils se contrôlent entre Bango. Et dans la salle, c'est des Congolais, des magistrats, des militaires, des policiers. Ça veut dire une kermesse y a ma bé, concentration y a ma bé na Katiambouk. Balan va démonter la caméra réseau wana. Et ça va enquêteur. Et ça va enquêteur. Il faut définir les statuts de l'enquêteur. Il faut revisiter ba compte ba enquêteur wana ba da wapi ba wata la nini tout ça. Ba toi là ce qui baillé, ne pas corruption monsieur le président, tala na douane, to perdre boy. Tala il se passe autant na douane. Je vais vous donner les chiffres na douane, boko banga, boko kam et je le dirai demain. Ma chiffre, il y a douane. Je vous donnerai ma chiffre, il y a OCC. Parce que, ton lobby, que désormais, comme on a toujours dit, ce sera les émissions et le développement de Tokyo. Non, mes frères, le pays va très mal. Maintenant, il faut que le président de la République a se réveillé, a tiré le déboulonnage en marche. Mais je vous rassure que le déboulonnage est déjà mis en marche. Hier, j'étais en train de dire aux gens,
J'étais en train de voir ministre intérieur, monsieur Kabound. Alors, dans ce moment, est-ce qu'il y a directeur Kabound? Mais est-ce que... Comment vous allez faire? Ministre intérieur, c'est lui. Je ne... Non, mais tout, non, mais comment vous allez faire pour vous en sortir? Bozomona pena Kabound n'engazawana, na témérité n'engazawana boué. Alors qu'il s'en goûte, non, un gouverneur, il y a Congo central, gouverneur, il y a Nini, il y a Soukipé, il y a Kivu, à la Moukibou, à l'Obil. Non. Mais non, non, non. Parce que le déboulonnage aura commencé, le président de la République se doit se choisir des gens. À l'intérieur, au Tchemoutou, ou à la téméraire, pour renégocier la justice, à Tchemoutou, à la téméraire, ou alors, inspecteur. Action générale, il y a judiciaire. Parce que les inspecteurs peuvent enquêter sur le magistrat. Est-ce que vous savez? Les inspecteurs peuvent attaquer le magistrat. A qui on a enquêté? Parce que baba enquêteur, en fait. Ces gens-là sont des flics. Tu ne sauras pas quand on l'a dit là. Ils peuvent casser la baraque. Vous placez ces gens-là. Il n'y a pas besoin de tout déclarer ici. Mais mesdames et messieurs, l'avenir de ce pays est encore beau. Si le président, je veux le dire dans l'adage, ce qui président a respecté kaka engagement ou y a autre chose à Mikoloyo, va comprendre. Ce qui président de la République a respecté engagement ou y a autre chose à Siko na bateau baya kiwana. Oh bah benga na ki bateau musuba kota na salte. Non, c'est pas possible. Les gens arrivent et ils disent on va parler qu'au président de la République. Qu'au président de la République. Une réunion a été faite. Que naïe. Et il a promis à ces gens-là des choses. Monsieur le président, si vous promettez Batouana et que vous allez kaka nenge boyokani, je peux vous garantir vous serez les héros dans ce pays. Si vous respectez kaka engagement, au Bobisi Bango, vous allez héros dans Mbokaoyo. Je ne peux pas donner le temps à Yerusalem, mais je dis seulement que ceux qui ont respecté kaka nengo bisibango. Nenge batona ba bimaki satisfait wana. Nenge ba kenaki place fallait pas ba kende kuna. Ceux qui kaka bo respecté kaka nenge bo okani wana. Bango pe baza sincère, kaka nenge ba bisi wana. Dans peu de temps on parlera autre chose. Les nouvelles que j'ai sont des très bonnes nouvelles. Une réunion ou deux se sont succédées après incident et à Palais du Peuple. Les gens se sont posé des questions sur qui est-ce qu'il y a tentative. Oui, c'est une tentative. Malheureusement pour vous, vous êtes en train de commettre une erreur monumentale. C'est de croire que Fatshi est bête. C'est une erreur monumentale. Les gens ont fait ça avec Kabila 18 ans après il était au pouvoir. Ne commettez pas la même erreur, parce que la même erreur vous fera payer cher. Vous pensez que Fatshi est naïf? Attention, le drapeau de la République, même quand on le brûle, on l'utilise quand même. C'est comme ça dans la vie, en fait. Quand vous croyez que quelqu'un est bête, il se révèle beaucoup plus intelligent que vous, beaucoup plus stratège que vous. Parce que la véritable force se trouve lorsque les autres pensent que vous êtes bête. Faites très attention sur la question. Mesdames et messieurs, merci d'être là, mais vous pouvez nous soutenir en cliquant juste ce lien-là et vous le partagez chez vous, ça sera un grand honneur. Cliquez et partagez. Contribuez dans ma petite fond d'Abino Bozanango et aussi à l'abisso un grand plaisir. Puisse Dieu nous garder pour voir la transformation, le changement de ce pays, qui dépendra de ce que nous allons décider, Kézala. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Maman Martinde. Maman Marthe, né, balobi shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso, biloko yaye, 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 congolais. On y dit, n'est-ce pas, à sali sa yote, pour la Corée, la yon, pour la bonne la yon. Pour la toto, la yon, pour la yon, pour la bonne la yon, balobi bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un gnosso, la yon, si moi, si non, pour les prêts, sinon, pour les amis. Comment tu as dit? 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 Comment tu
Oh.